Salut Coupas Nectis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode de Sonic Mania. Non ça je l'ai fait. Qu'est-ce que je dis Sonic Force? Putain je suis un peu teubé moi sur les bords. Alors c'était... Sonic, j'ai trouvé, j'ai découvert un moyen d'arrêter le rubis fantôme d'Eggman. Bon travail Tails. D'après ces signaux, le rubis fantôme a besoin d'une quantité incroyable d'énergie que seul le Death Egg peut fournir. On n'a qu'à simplement arrêter le transfert d'énergie et boum, le rubis fantôme sera quasiment inefficace. Simplement? Aux dernières nouvelles, le Death Egg est lourdement fortifié. C'est vrai. Mais j'ai un plan. D'abord, on fait diversion. Quand Eggman ne fait pas attention, on utilise l'ordinateur de l'usine chimique pour s'infiltrer dans le système d'armement du Death Egg et on l'arrête. Sans arme, ce sera du gâteau de détruire le Death Egg. Et sans le Death Egg, le rubis fantôme sera inefficace. Tu sais quoi? C'est assez fou pour que ça marche. Alors, il nous faut d'abord un leurre. Je m'en charge. Pas question, Knuckles. Tu es trop facilement distrait. Ce n'est pas une bonne qualité pour faire diversion. En plus, tu es notre commandant. On a besoin de toi ici. Pourquoi pas la nouvelle recrue? Eggman s'y attendra jamais. Il se peut même que ça le déstabilise. Bonne idée. Voilà tes ordres, recrue. On n'a plus qu'un jour avant que le plan d'Eggman soit mis à exécution. Alors grouillons-nous. Ok, Guardian Rock, c'est parti. Et moi, je vais finir le jeu à une soirée. Hein. Je tourne tout à la suite, là. J'ai pas encore fait l'épisode Shadow. Je pense que j'attendrai de finir le jeu avant de faire l'épisode Shadow. Source de chaleur non identifiée détectée. Analyse en cours. Une seconde. C'est un robot de combat avec plusieurs jambes. Les signaux d'énergie ont explosé. Attends, what? What? Oh, en gros, c'est comme un dash, ça, un petit peu. Ah non mais si je suis comme ça. Ah cool. Mince, j'ai plus rien. J'ai pas vu. Je pensais que j'avais encore de l'énergie Wisp. Les tactiques de diversion dépendent du leurre utilisé. Déchaîne-toi et active sur l'attention. Nous allons nous chercher de l'usine chimique. Faites autant de bruit que possible. Très bien, alors. Merci, je peux enfin utiliser mon mon arme, je veux dire, pas mon pouvoir. What? Ah putain, mais j'en ai déjà plus! Bon, là j'ai. Ok, j'ai un ring ici, je vais pas. C'était pas très bien, probablement. Mais j'arrive pas du tout à gérer mon énergie. Ok, très bien. Vas-y, top. Merci. Putain, j'ai déjà pu, putain. C'est parti d'un coup. C'est le docteur Eggman. Ah ok merde, j'ai pas compris. J'ai pas vu le truc arriver en fait. Putain non mais j'ai switché deux fois, putain je suis vraiment fort. Un petit peu. Oh putain, c'était chaud là par contre. Merde, je l'ai fait trop tôt. Ah, fait chier. Je vais le faire bien au bon moment, mais apparemment je vais pas réussir. Putain. La tête qu'il a fait. Ah, ok, ça me convient.
le petit sweet. Je trouve que les costumes de la bonus édition des personnages de Sega, c'est beaucoup mieux que ce qu'on gagne. Hein. Bon, alors. Ouf. Secret 3. Bug Bomb 1 est disponible. On va vite fait faire la Secret 3 qui est justement juste ici. Et ouais. Il faut toujours le faire avec Sonic d'abord. Dommage. Mais vu qu'on peut jouer Shadow, est-ce qu'on aura des missions avec Shadow d'abord? Et après, peut-être qu'on pourra les refaire avec Sonic, mais je sais pas, ça pourrait être cool en vrai. Je vais prendre ça. Voilà, merci. Ah merde! Ah, je pensais pas! Ah oui, c'est vrai, c'est des cages. J'ai pas vu sur le coup que c'était des cages. Merde, je l'ai pas vu. Très bien. Ah, ça marche pas. Merci. Hop. Hop. Je suis vraiment trop fort. Ok. J'ai le temps de mourir toujours juste devant la fin. Bon, B. Tant pis, c'est une étape secrète après tout. Hein. C'est pas non plus un truc de ouf. Alors. On va enfin pouvoir faire une vraie étape. Pire, voilà, je fais comme ça. Hein. C'est beaucoup plus simple. Non. Ici. Je suis presque arrivé à l'usine chimique. Comment se passe la diversion pour l'... Pour l'instant, tout va bien. Si la recrue s'en sort bien, faudra lui trouver un nouveau surnom. Ensuite, on doit trouver les ordinateurs à l'usine chimique et éteindre le système d'armement du décès. Parfait. Ça fait un moment que j'attends d'entrer en jeu. Ok, parfait. Donc, hop. Je vérifie toujours si on peut pas le faire avec Shadow, mais ça sert à rien en vrai de vérifier. Hein. J'ai toujours une petite lueur d'espoir. La recrue a fait à l'heure parfaite. Il est temps que tu fasses ton truc. On doit capturer l'usine chimique. Si quelqu'un essaie de l'arrêter... J'étais pas bien. Oh merde, j'ai raté le ring list. Je casse pas. Alors... Tout en avance comme ça, moi je me fais paniquer. C'est tendu un petit peu, hein, mais bon. J'ai réussi, c'est déjà ça. Parfait. J'imagine que ça me faisait du mal en fait. Le truc rose à cheveux. Waouh! Putain, de l'eau est tombée. J'étais pas très bien joué. Putain! Je savais que c'était pas... Bon. Putain! J'étais à deux doigts.
Allez. Ah non, en fait ça me tue pas, parce qu'en fait ça m'a fait tomber avec les trois bien. Ok, parfait. Bon, je suis mort qu'une fois. Je crois qu'en plus c'était pas loin du checkpoint, donc ça passe. Bon, ok, très bien. Ah. Mais le turbo. C'est vrai que j'ai pas trop utilisé le dash, enfin le turbo, parce que après ça me fait tomber dans le vide, donc c'est bon, c'est pas trop le but non plus. Hein. Ok. Oh, un truc en or, waouh. Session 4, secret 4, ok, très bien. Là, il y a de plus en plus de secrets, hein. Le système d'armement du Dust Egg est éteint. C'est le moment ou jamais. Vas-y, vite. Détruis le Dust Egg et coupe l'alimentation. À t'entendre, on dirait une promenade de santé. Je te rappelle que c'est un Dust Egg. Ne t'inquiète pas, l'autre Sonic a la situation en main. D'abord, on va faire le secret. Il est où le secret? Elle est là, voilà. Bon. Oh, ma... les canons plasma, je sais pas quoi là, c'est les trucs qu'il y avait dans Sonic Colors, là, les trucs qui lançaient des trucs verts. Des boules. Oh, je... s'ils y sont, en tout cas, je le dirais. S'ils sont pas, bah. J'ai la main, je me suis trompé. Enfin bon. Ah, voilà, bah, il y avait ça, des trucs comme ça dans Sonic Colors, dans Starlight Carnival. C'était les mêmes trucs très casse-couilles. Hop, hop. Mais non. Saute, s'il te plaît, la nouvelle recrue. Hop. Attends, plus, et pourquoi je meurs à chaque fois juste devant la fin? Genre, c'est hyper chiant. Après, j'ai des notes de merde. Ça me saoule. Maintenant, on va pouvoir aller au Dessay. Tatata. Donc, ça va être avec le classique Sonic. Je suppose. Allez, Malou. Hey, okay. Le système de défense est toujours activé. Je croyais qu'on l'avait coupé. Ils ont sûrement dû enclencher l'alimentation de secours. Pas d'inquiétude. Sonic est sur le coup. Il va trouver un passage. What? Très bien. On va prendre un petit peu de vitesse parce que là, c'était pas non plus très la rapidité. Je sens qu'on peut pas les casser. Pourquoi j'ai fait ça? Genre, en fait, j'ai voulu l'éviter en sautant, mais ça sert à rien. Putain, elle est à deux doigts et ça me touchait. Hein. Ah merde, putain, je suis honteux, hein, des fois, c'est... pour pas dire tout le temps. Alors, hop. Ok, juste à deux doigts de pas passer. Hop. Non. Putain, j'étais à deux doigts de... Merci. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Putain, hey, il faut que j'arrête de me faire avoir par ce genre de truc. Hein.
Je rappelle qu'il y avait la même chose dans Sonic 3, hein, si je me trompe pas. J'ai fait tout le contraire de ce que m'a dit Knuckles, je crois. Hein. Putain, je vais pas me faire avoir pour le truc là. Non! Putain, je vais trop vite, hein. Tout en finesse, tout en finesse. Oh, mais calme-toi! Ok, très bien. Putain, je suis très dans la merde. Putain, j'y arrive pas des fois. Hein. Des fois, je contrôle même pas. Alors, c'est pas genre qu'il glisse, mais. Enfin, si. Enfin, bref, je sais pas comment l'expliquer. Des fois, j'arrive pas trop bien à les contrôler. Ils vont trop loin. Ah, cool, ça va être bien. Ah yes, c'était cool. Enfin, c'est cool, je veux dire. Le stage aussi était cool. Bon. Encore des cheveux chelous et des moustaches. Il y a quand même une belle panoplie de trucs qui sont un peu chelous, hein. Enfin, de vêtements, je veux dire. Encore les coupes blondes. J'ai pas de pied, et toi non plus, mon pote. Pas la peine de me le rappeler, mon pote. Plus que 5 heures avant l'exécution du plan. Infinite, battons stratégiquement en retraite, afin de mobiliser nos forces. Ah, battre stratégiquement en retraite, vous voulez dire... fuir la queue entre les jambes? Cela ne me plaît guère, docteur. Tais-toi et contente-toi de me suivre. On s'approche de la fin du jeu, j'ai l'impression. Secret. Et étape 23, ok. On va faire le secret, hein, comme d'habitude. Alors, on est parti. 20 minutes 15. Ouais, de toute façon, c'est la fin de l'épisode. On fait le secret, puis après, on se laissera... Merde, putain, je le sentais en plus, je viens de faire un truc. Allez, non, ok, il y avait un mur, très bien. Quoi? Je suis pas mort, c'est le principal. Alors. Non, putain, pourquoi j'ai fait une charge? Par contre, je vais mourir. Ok, non, c'est bon. Je veux que je fasse particulièrement attention, mais j'avais pas de ring. C'est passé, c'est cool. J'ai pas compris par contre. J'ai pas compris du tout. Il faut aller là. Putain, non, sérieux? Voilà, je sentais. Et ouais, j'arrête de me toucher dans le seul endroit où tu peux me toucher! Ah putain! Putain, les secrets, je gère vraiment pas. Ah, c'est mon premier C, génial! Voilà! Bon, tant pis. C'est qu'un secret, de toute façon, je le referai. Bon, c'était Noctis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez mettre un like. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut, quoi!